Colette. Je suis à la recherche pour une cliente dont je m'occupe en gestion de patrimoine privé, d'un investissement en pierre, quelque chose de très différent. Et j'avais vu lors de ma dernière visite chez vous quelque chose, je lui ai montré, qui me semble qu'il lui a plu. Et j'aimerais savoir si vous avez toujours ce type de pierre. Votre cliente, est-ce qu'elle aime bien le diamant, le rubis, émeraude, saphir classique? Parce que ça, c'est quelque chose de pas classique. Alors, elle cherche quelque chose de pas classique et d'exceptionnel. D'accord. Ok, mais dans cette taille-là, dans une taille cabochon, on appelle. Oui, mais elle aime bien quand c'est assez volumineux aussi. Alors ici, j'ai un rubis cabochon qui est exceptionnel pour sa taille de 44 carats. Et qu'on pourrait très bien utiliser dans une bague comme ça. Est-ce qu'elle existe éventuellement dans un rouge un peu plus vif? Oui, ça existe, mais moi, j'en ai pas en stock. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez trouver? Oui, je peux aller à la recherche. Alors ça, c'est un frais gem. Alors, gem, on appelle les pierres exceptionnelles. D'accord. À quel titre c'est exceptionnel? Parce que c'est un saphir, comme vous voyez, déjà très grand, avec vraiment la couleur royal blue. Ça veut dire très intense. Mm-hmm. Et en plus, elle a l'effet d'étoile. L'effet d'étoile est produit par des petites rutiles qui sont à l'intérieur. D'accord. Donc là, ça, on est vraiment dans l'investissement. Absolument. Alors, elle existe dans d'autres couleurs, elle est plus dans les tons que vous m'avez montré tout à l'heure, peut-être les rouges, plus que le bleu. Alors les rubis étoiles existent, mais c'est très difficile à trouver. Alors c'est ce qu'elle va vouloir. Ah d'accord. C'est moi-même qui va dans les mines et on achète des pierres là-bas dans des différents pays. Ça peut être l'Asie, ça peut être l'Afrique, hein, ça peut être l'Amérique du Sud. Et oui. Après, on les fait retailler ici, sur Genève. D'accord. Je pense que ça pourrait intéresser son amie. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, son amie, alors? Elle m'a parlé de ces pierres spinel. Comme vous en avez, on pourrait lui montrer plusieurs types de montures en bracelet, en bague, en boucle d'oreille. J'aime beaucoup cette forme de fleur. Qu'est-ce que c'est comme matière? Ça, c'est du titane. Du titane, ouais. L'avantage du titane, on peut le former dans des différentes couleurs, en fait. D'accord. Et c'est très léger. Et après, bon, la fabrication, etc., ça va mettre quand même minimum 6 mois aussi. D'accord, très bien. Eh bien, il faudra qu'elle soit patiente, alors. Ah oui. Ok, très bien, excellent. Bah, écoutez, j'attends vos croquis, alors. D'accord. Étoile, oui. Le star. Cette commande, je n'ai pas. Je suis assez sûre. Mais dans le bijou, on peut regarder peut-être. Oui, c'est bon. Mon idée, bon, d'abord c'est ça, mais dans le coffre derrière, d'accord, j'ai d'autres choses, ok? Je peux voir. Ruby étoilé. Voilà. Mais regarde ça. Elle est belle, bon, pas mal. Ah oui, l'étoile est très jolie. 8 carats. Voilà, on va voir dans le bijou qu'est-ce qu'on peut arriver pour ça. Le rubis qu'elle cherche est une pierre très difficile de trouver. Il y a les familles royales et c'est clair qu'eux, ils ont quand même des collections, surtout dans les pierres victoriennes. Il y avait plusieurs pierres étoilées comme ça dans le bijou. Regarde, c'est la seule façon de savoir, c'est de les regarder partout. Ouais.
Ruby africain, je crois. Mais les familles ne vont pas lâcher des pierres à 30 carats si facilement. La couleur, c'est exceptionnel. Pas facile de trouver comme ça. Elle est tout petite. Hein, mais bon, on ne peut pas trouver 100% parfait, ça tu sais. Il y a une petite marque. Oui, mais quand ça s'est monté, on va pas voir la marque. Oui, mais quand même, je crois ça, il faut... Voilà, et après, quand c'est retaillé, la marque, c'est où? C'est sur la côté ou c'est où? Oui, mais ça va partir quand on retaille la pierre. Tu as un certificat pour ça? Oui, certainement. Il y a certaines personnes, peut-être, qui possèdent ces pierres, une pierre quelque part, mais ils ne sont pas prêts de lâcher dans un marché comme ça. On peut chercher loin, aller peut-être dans les ventes aux enchères et payer un prix assez cher. C'est pour ça aujourd'hui, je crois que c'est une solution de comme elle est venue vers moi pour trouver une spinelle ou d'autres pièces. Mais elle cherche cette ruby, mais elle va continuer jusqu'à ce qu'elle trouve parce que je connais elle. Oh, j'ai mis 2-3 mois pour trouver ces pierres qui sont là. Bon, là, c'est aussi des pierres du stock que je suis en train de voir si ça rentre dans mes montures. Parce qu'il faut toujours essayer si ça rentre les pierres. Et là, c'est des pierres que... Ça, ça vient du Brésil. Après, j'ai appelé des fournisseurs en Allemagne. J'ai essayé de voir le maximum de pierres par téléphone, par mail et en allant sur place que je pourrais présenter. Les pierres que je sélectionne ici, ils sont pas tous dans la même valeur parce que la valeur se décide par la couleur, par la pureté, par la taille, par différents facteurs. Et ça peut aller du simple au double, voilà, triple, quadruple. Et ça, par exemple, ça c'est une pierre en Paraíba extrêmement rare, d'une couleur parfaite, d'une pureté parfaite. Mais malheureusement, pour ma proche, c'est trop grande. Alors, je vais la mettre à côté. Alors, la plupart de mes clients, c'est des autres marchands de pierres, c'est des autres grossistes, c'est des magasins, c'est aussi des banques qui cherchent des investissements. Mais par exemple, je travaille normalement, je ne travaille pas avec les privés, c'est toujours à travers de quelqu'un. Il est un tout petit peu ovale, effectivement.
On pourrait aussi peut-être faire le bombé du cabochon, puis la faire bien ronde, effectivement. Mmh. On va perdre combien de poids, là? Il faudrait compter entre 1,5 et 2 carats environ. D'accord, bon, c'est quand même beaucoup pour la pied, mais je pense que ça vaut la peine, parce que je veux... Oui, elle est quand même très très belle. Mmh. Quand elle sera bien polie, bien taillée, ça sera vraiment une pierre bien magnifique, absolument. Oui. On va avoir beaucoup de confiance à la personne parce que voilà, on peut facilement même les détruire si on fait si on coupe mal ou si on n'est pas habile à ce point-là. C'est pour ça que c'est très très bien d'avoir la PDR avec cette expérience ici sur Genève. Je connais Nicolas, il a commencé à l'âge de 15 ans. Faire des facettes qui vont encore accentuer la brillance de la pierre pour vraiment que ça soit un magnifique bijou. Ouais. Et on va perdre moins qu'un carat, j'espère. Oui, là je pense qu'on va perdre moins d'un carat. S'il y a beaucoup d'inclusions à l'intérieur de cette pierre et qu'on approche la pierre de la meule pour la travailler d'une façon un petit peu trop brusque, on risque quand même de faire partir un petit éclat de pierre et ensuite de recommencer, de retailler toute la pierre à cause de cette petite faute, entre guillemets. Ah, il y a toujours une petite appréhension quand on taille ou repolie une pierre de très grande valeur qui n'est pas forcément parfaite ou même qui est parfaite. Il y a toujours un petit risque et il y a toujours une petite appréhension, oui, par rapport à ça. GRS is a gemstone testing laboratory. We are testing precious stones with different machines. It's better if there is a certificate for every stone to say if it's natural or synthetic or treated or where it's coming from. It's very important for our customers to know that. I'm still checking whether I can find out from which origin the stone is. This stone has many inclusions inside. It's a bit difficult at the moment. It has 6 rays on the top. So this star is produced by small rutile needles inside the stone. So it's a special feature, additional. It makes the stone, it's more rare, it makes it more special. For the 8 carat spinel, whether I can see some inclusions inside. There are some inclusions, some fingerprints and kind of needles that are typical for spinels. So this is spinel, natural spinel. It's a very nice stone. It's clear that this stone is natural. So what are the results? So the results, you got very good results. Perfect. For example, the star ruby, yeah. It is very nice, very big and has a very nice sharp star. Mm-hmm. And of course it's unheated, so it's okay. A very good result. And the others, the 2 spinels, okay. This one you have a very nice color.
Si moi je présente maintenant les pierres, c'est bien de pouvoir les présenter avec un certificat. Alors c'est pas moi qui le dis, mais voilà, j'ai comme une espèce de passeport et carte d'identité avec qui prouve que la pierre est ce que moi je dis. Je crois que l'amour de pierre était toujours là. Parce que tout petite, j'ai déjà ramassé tous les cailloux de la plage. Et ma mère, une fois, elle a dû payer une fortune par ce poids dans l'avion. Et elle se demandait qu'est-ce que c'était. C'était tous les pierres que j'ai ramassées. Je devais avoir à peu près 3-4 ans. Après, j'ai commencé très vite la collection des minéraux. Alors, chez nous, on n'avait pas tout. Et je voulais souvent pas d'autres cadeaux, mais des minéraux ou des pierres. Et après, un autre moment très important, c'est ma mère revenait de Sri Lanka où elle avait acheté un magnifique saphir qu'elle m'a montré. J'étais fascinée, j'avais qu'une chose dans la tête, c'est aller là-bas. Et j'ai réussi à 17 ans d'aller dans les mines et acheter mes premières pierres avec l'argent que ma grand-mère m'avait prêté. Et ça ne m'a jamais quitté, c'était toujours là, cet amour pour les pierres. Les pierres, c'est aussi quelque chose de très personnel. Et j'ai vu des gens séparer les pierres en m'expliquant, écoutez, ça c'est dans notre famille depuis tant d'années. Là, on vend parce qu'on veut construire une pagode. Et ils sortent justement de entourés, ils ont été là, de la pochette, là, ils montrent des pierres comme ça. C'est très touchant. Et surtout dans certains pays d'Asie, c'est beaucoup les femmes qui vendent les pierres. En fait, les pierres, c'est un métier d'homme. Je pense qu'il faut avoir une bonne intelligence émotionnelle pour être là, pour être à l'écoute, pour comprendre et pas prendre ces pierres une simple marchandise ou quelque chose qu'on va échanger ou essayer de marchander de tapis, d'essayer de baisser le prix au maximum. Mais il faut une certaine sensibilité pour leur dire oui, c'est très beau, mais c'est peut-être pas pour moi. All summer long I sing. And now I'm flying in the good way. Ici on est au cœur de Genève, dans mon atelier de fabrication en bijouterie-joaillerie, que j'ai ouvert il y a 30 ans, avec différents déménagements au fil du temps. J'ai eu la chance aussi de pouvoir grandir dans mon atelier, c'est-à-dire de m'entourer et essayer de m'entourer des meilleures mains et des meilleurs joailliers. Alors, je m'appelle Jacques, j'ai 20 ans de maison ici. Donc, j'avais 44 ans quand je suis arrivé ici. Ça va faire 5 ou 6 ans, disons, qu'on travaille le titane, quoi, disons. Au fur et à mesure, on évolue avec des pièces beaucoup plus grosses. Vous voyez, bon, là, je suis en train de faire une libellule, ou alors on fait des boules comme ça, vous voyez. Que, bon, si ce serait en or, ce serait, je sais pas moi, 10 fois plus lourd. Donc, ce serait pas possible de porter ça au bout d'oreille, quoi, disons. Voilà. Je puis me targuer d'être un spécialiste dans la matière du titane, toujours avec le traditionnel travail de la joaillerie, c'est-à-dire toujours avec des mises en pierre, sertissage et les décors derrière les pièces. Nous faisons des soudures à l'argon, au laser. C'est un gaz qui nous permet d'être très propre et que le titane s'oxyde beaucoup. L'avantage du laser aussi, c'est que nous avons une grande précision du fait du binoculaire qui nous permet de voir à grande échelle et de faire des soudures vraiment très propres et très précises, surtout pas visibles à l'œil nu. Mais je pense que c'est bien ajusté. Voilà. Ouais, c'est bien. Garder le volume par rapport à... Tout à fait, oui. Bon, je pense qu'on va devoir encore diminuer un peu. Quoi, mais... Oui, on pourra retendre encore un tout petit peu là. Mais là, c'est dégrossi, c'est déjà bien. Oui, mais non, c'est bien. Alors là, je suis en train de bouler les grains. C'est après le travail de sertissage. En fait, bouler, c'est perler. En fait, on arrondit le copeau qui va sur la pierre. Donc tous les diamants noirs là qu'on voit autour du rubis cabochon. Bonjour Damien. Bonjour Anke. Tout se passe bien avec la bague? Oui, là ça va, on est en cours de finition, donc un petit coup de poli, puis ça va. Ouais, bon, elle a l'air super déjà. Ouais. Là tout est perlé, il va falloir juste donner un coup de poli et normalement
Ouais, et même à l'intérieur, je n'ai pas vu. Vous avez super bien fait, même les étoiles à l'intérieur. Cool. Oui. Très joli. C'est exactement comme je voulais. Et alors là, c'est la maquette du bracelet. On va mettre justement l'élément. On a pris ça de la bague fleur que la cliente a vue, ou qu'on a déjà faite, en fait. On a la maquette. On va après la souder dessus, parce que sur cet élément-là, après, on va poser la pierre. D'accord. Je ne sais pas encore quelle pierre la cliente elle va choisir. Ce que, justement, j'apprécie beaucoup, c'est ce travail de titane. C'est pas facile à travailler et c'est vraiment encore un secret comment on les fabrique. Mais les résultats sont stupéfiants. Dans les ateliers d'Alain, on a sorti les rubis cabochons de 33 carats. On a utilisé jusqu'à maintenant 217 diamants noirs et 43 diamants blancs. Alors, ça semble beaucoup. Alors, c'est un rubis étoilé de 33 carats, complètement naturel. Là, c'est des diamants noirs. Sur les étoiles, c'est des diamants blancs. Et la poésie en tout ça, une étoile. Et avoir des clients qui cherchent ce type de... des bijoux ou des pièces, c'est plutôt rare. Des demandes comme ça, je ne sais pas, on a 3-4 par année, pas plus, parce que souvent la clientèle cherche plutôt ce que les autres, ils ont. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on voit, c'est plutôt peut-être les diamants qui sont très belles aussi, ou voilà, des entre-grosses pierres, mais des pierres un peu vraiment spéciales, c'est plutôt rare. Alors, ça, c'est la base. Oh, elle est superbe. Bracelet, la base est titane. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est très léger. Mm-hmm. Un titane en bleu, parce que le titane existe en plusieurs couleurs. Mm-hmm. Parsemé de saphirs cabochons et de diamants. Elkebert nous a surpris plusieurs fois lors de visites avec des clients potentiels en nous présentant des pièces d'une rareté. On va dire c'était vraiment une chance de pouvoir être là, de pouvoir découvrir ces bijoux et on a pu faire des investissements d'une valeur, on va dire aujourd'hui presque inestimable avec le temps qui est passé. N'est-ce pas? Magnifique. Alors je vous assure, c'est pas des bonbons, mais c'est des vraies pierres que j'ai cherchées dans quatre coins du monde. Mm-hmm. C'est vraiment maintenant votre goût de dire ce que vous aimez. C'est sublime. Hein. Alors là, il y a trois spinels. Mm-hmm. Ça, c'est un spinel red. Je peux juste... Bien non, sûr. Je ne l'ai pas touché, mais... D'accord, ouais. Là, j'ai trouvé chez une marchande de bijoux anciens. En fait, ça vient vraiment... C'est une pierre ancienne qu'on a fait retailler pour vous. Mm-hmm. Ça, c'est un spinel vivid. Il est sublime. Ouais, vivid, ça veut dire énormément de brillance. De 13 carats. Là, un autre spinel qui tire un peu plus sur le violet. Et une pierre Paraíba. Et c'est un tourmaline très rare de Brésil. Le dernier, c'est le spinel. C'est ça qui vous plaît. D'accord, oui. Les pierres, c'est ça aussi. Les pierres, souvent, c'est des coups de foudre. Ouais, c'est ça. On aime, on n'aime pas. C'est question aussi émotionnelle. C'est un prix, c'est une chose, mais après, c'est les émotions, c'est les couleurs qui parlent. Alors, si ça vous plaît. C'est pour soi-même qu'on a après ces pièces. C'est pas pour les autres. Et c'est les émotions qui sont ces pierres. C'est ça, je pense, qui fait la beauté, l'exceptionnalité des pièces.